Il est très important de promouvoir la propriété partout, autour de nous, pour maintenir nos villes propres. Ce combat mondial est aussi celui du gouvernement de notre pays qui a célébré en différé la 51e journée mondiale de l'environnement, journée célébrée le 5 juin de chaque année. La troisième édition de la marche écologique qui a été organisée à Pointe-Noire pour sensibiliser à la protection de l'environnement a mobilisé des milliers de personnes de toutes les couches sociales ainsi que des partenaires au développement. Le départ a été donné à la préfecture pour marcher jusqu'à la côte sauvage, un exercice auquel a participé le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso. Avant le départ, des sacs poubelles ont été distribués à chaque participant pour ramasser les déchets le long du parcours. Pour la ministre en charge de l'environnement, Arlette Soudan-Nono, tout le mois de juin est consacré à l'environnement. Monsieur le Premier ministre, je tenais tout d'abord à vous remercier. Vous remercier d'être présent, d'être toujours sur le terrain pour cette cause qui est la nôtre, cette cause qui est noble, celle de la protection de notre propre habitat, qui est la protection de l'environnement. Le mois de juin est un mois particulier pour l'environnement. C'est le mois de l'environnement. Nous commençons par célébrer cette journée internationale, cette journée mondiale, le 5 juin. Elle se poursuit également le 8 juin par la journée de l'océan, l'océan que beaucoup découvrent de par les 70% de superficie de la planète qu'elle recouvre et les 30% d'absorption des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est aussi bon de l'entendre dire, elle apporte à près d'un milliard de population au travers de ses ressources halieutiques de quoi tout simplement manger, pour dire les choses tout simplement. Mais préserver cet habitat qui est l'environnement, qui est la biodiversité, demande d'adopter une démarche, et celle qui consiste précisément aujourd'hui au ramassage des déchets. Je vous disais que nous sommes dans le mois de l'environnement, vraiment le mois, tout le mois, puisque nous allons célébrer également le 16 juin prochain ce qu'on appelle la Journée mondiale de la Convention de la désertification. Et vous entendrez mon message au nom du gouvernement également dans ce sens. Donc c'est un mois qui interpelle, qui sensibilise, et nous apprécions que tous les marcheurs que vous êtes ici, soyez conscients que notre habitat commun ne se salit pas de lui-même, c'est nous qui le salissons, et il nous faut ramasser des déchets aujourd'hui, il nous faut les quantifier, il nous faut aller voir à peu près, il y aura le retour d'image de tout ce que nous aurons collecté. Nous allons peser tous ces déchets et nous allons pouvoir également aller au site d'assainissement, de transformation, la déchetterie qui va pouvoir justement faire un tri sélectif. Parce qu'il nous faut aller maintenant au tri sélectif. Et tout ne s'envoie pas dans la nature et en particulier le plastique, les conserves, tout ce qui est en métal. Et puis tout simplement, il faut avoir des villes propres pour une santé saine, tout simplement. Donc, je ne vais pas être très, très longue. Ce n'est pas le but de la journée ou de la matinée d'aujourd'hui. Je vais donc nous souhaiter une très bonne marche. Remercier tous ces bénévoles pour cette forte mobilisation, toutes ces ONG, tous ces élus du peuple, tous ces partenaires techniques et financiers, toutes ces agences du système des Nations Unies qui nous accompagnent depuis le début de ce mois. Je le dis assez souvent, chaque édition, on en est à la troisième de ce type. Eh bien, l'État ne débourse pratiquement pas de ressources. Tout est porté pratiquement par les ONG, le secteur privé et tous les différents bénévoles. Donc, je ne peux que vous remercier et nous souhaiter bonne marche pour la préservation, comme dit le pape François, de notre maison commune de la création. Assainir les espaces publics ne doit pas se limiter à des actions occasionnelles ou à des opérations de charme, a déploré le Premier ministre. Anatole Koliné-Makosso exhorte les Congolais à adopter des pratiques exemplaires de manière constante et à faire de la propriété une habitude quotidienne. La marche pour une cause est avant tout un engagement pour la cause. La marche pour une cause est aussi l'expression d'un exemple. Et l'exemple doit être multiplié, dupliqué. Nous avons organisé cette marche la faveur de la journée de l'environnement, on a besoin de le dire, comme l'a dit Madame la Ministre, du mois de l'environnement, de la décennie de l'environnement et de la vie pour l'environnement. Parce que nous devons défendre l'environnement toute la vie.
Défendre l'environnement, c'est respecter notre habitat commun, le cadre dans lequel nous vivons. Et ce cadre commence par la propriété du sol, la propriété de la terre, sur laquelle nous vivons, sur laquelle nous marchons. Respecter la terre, c'est aussi savoir l'occuper. Et c'est l'occasion pour moi d'adresser un message particulier à trois catégories de personnes morales. La première catégorie, c'est la société civile, notamment les associations et les ONG que nous avons. La deuxième catégorie, c'est les communautés religieuses, quoique faisant partie de la société civile. La troisième catégorie, c'est les populations que nous sommes, tous chacun dans son environnement. Au nombre des associations, des ONG que nous avons dans le pays, on ne devrait pas vivre dans un environnement malsain. Parce que les associations, les ONG, c'est d'abord un engagement citoyen. Et la citoyenneté passe par l'amélioration de notre cadre de vie. Quel que soit le type d'association, quel que soit l'objet de l'association, on aurait aimé voir les associations se mobiliser en permanence pour assainir notre environnement, plutôt que d'attendre que cela vienne forcément des autorités nationales. Ça devrait être le quotidien des associations et des ONG. Je suis heureux, impressionné de voir la ville, tout au moins les artères par lesquelles nous sommes passés, propres. Et Madame le maire nous a dit qu'elle essaie de le faire régulièrement pour que, effectivement, ne serait-ce que ces artères soient assainies, ne serait-ce que la plage soit propre. Nous sommes heureux. Le ministre des Eaux et Carbures me disait tout à l'heure que vraiment nous avons une plage propre comparativement à d'autres plages dans certains pays, y compris au niveau de la sous-région. Mais ce qui revient à dire qu'il suffit d'un peu d'organisation pour que nous ayons toujours un environnement assaini. Et cette organisation doit être portée par l'ensemble des forces vives et particulièrement des associations et ONG. Je n'ai pas envie de voir des associations et ONG ne se mobiliser que pour l'accueil des autorités, pour la campagne électorale. J'ai besoin de voir les associations et ONG être mobilisées pour l'assainissement de leur environnement, pour la propreté de leur cadre de vie. La deuxième catégorie à laquelle je voudrais m'adresser, ce sont les confessions religieuses, les communautés religieuses. Elles devraient être les mieux organisées parce qu'elles sont les plus obéissantes, parce qu'elles vivent par la foi, parce qu'elles se mobilisent habituellement d'elles-mêmes, sans même qu'on soit obligé de les motiver par quelque chose. Alors, elles sont dans nos quartiers. Je suis surpris de constater que même la directive que nous avons prise pour faire en sorte que le premier samedi du mois soit consacré à l'assainissement de notre cadre de vie, que je ne vois pas les communautés religieuses se mobiliser. Pourtant, ce n'est pas un jour de dimanche où on peut dire que non, on ne peut pas laisser l'église pour faire ça. C'est un jour de samedi et généralement, c'est un jour qui n'est pas travaillé. Donc, les leaders religieux devraient impliquer leur communauté. Il n'y a pas une ruelle dans notre pays, à Brazzaville comme à Pointe-Noire, où il n'y a pas une communauté religieuse. L'État, qui aurait pu être même plus rigoureux par rapport à cela, a laissé, parce qu'il accompagne les populations qui sont pour la plupart des fidèles. Alors, que fait-on les jours de samedi? Que fait-on pour que la ruelle dans laquelle nous sommes implantés, nos communautés religieuses, soit propre? Faut-il attendre toujours que ce soit l'État qui organise? Non. Je pense que par la mobilisation de toutes les composantes, de toutes ces couches, on devrait avoir des villes assainies, comme nous venons de le constater ici. Et je n'ai pas envie que cela soit seulement une opération ad hoc qui aurait été faite pour la circonstance. Je veux que ce soit des opérations continues. L'autre, c'est nous-mêmes, les populations que nous sommes. Nous avons grandi dans ces villes où, devant chaque parcelle, il y avait la propriété. Maman qui balayait la cour de la maison allait jusqu'à la voie publique pour vous balayer devant la parcelle. Et tous les enfants, je dis bien tous les enfants de notre génération, ont vécu de cette manière. Même lorsque nous habitions à Brazzaville en colocation, vous êtes étudiant, vous habitez dans une parcelle où il y a beaucoup de locataires, c'est faisait à tour de rôle. Aujourd'hui, c'est elle porte qui assure l'entretien de la parcelle, y compris la voie publique. Aujourd'hui, cela n'existe plus. Même les chaussées construites par le gouvernement sont envahies de sable. Et vous avez des personnes riveraines de ces chaussées. Aucune peine on ne se donne pour ne serait-ce qu'un jour par mois essayer de dégager
ces tas de sable. Et on est surpris de voir les routes se dégrader, envahies de sable, la circulation devient impraticable et on attaque l'État. Non, j'en appelle donc à une vraie conscience citoyenne pour que, ne serait-ce que pour l'amélioration de notre cadre de vie, nous puissions nous mobiliser tous. C'est le message que je tenais et je voudrais féliciter Madame la ministre qui assure la délégation du leadership du président de la République dans le cadre du respect de l'environnement, de cet appel constant qu'elle lance à l'ensemble des communautés, cette mobilisation constante qu'elle suscite avec elle, tous les partenaires au développement, pour que les populations arrivent à prendre conscience du rôle qui est le nôtre pour respecter notre environnement, pour assainir notre cadre de vie. Afin de constater par lui-même que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, le Premier ministre s'est rendu à Ngoyo, dans la zone de Côte-Matève, pour voir comment les déchets deviennent des produits marchands. Il a visité les installations de l'usine de recyclage du plastique Tank Service, notamment la ligne de tri du plastique, la ligne de lavage, le tableau de contrôle des températures, la ligne de granulation où le granulé produit fini est obtenu et la ligne de fabrication des gaines pour câbles électriques. Au-delà de l'assainissement, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu et la plus-value et le dividende social et économique sont importants dans une telle activité. Oui, on part du tout jetable au tout durable. Voilà ce que nous jetons n'importe comment. On peut désormais savoir l'utiliser. On peut l'amasser quelque part et travailler pour que ça soit transformé et dans le cadre de ce que nous appelons une économie circulaire, une économie vertueuse, qui puisse faire à ce que tout ce que nous avons comme déchets plastiques puisse être recyclé et que ça puisse permettre le développement de l'économie, que ça puisse permettre la création des emplois, directs comme indirects, et que ça puisse permettre de promouvoir la petite et moyenne industrie. Vous savez que dans le cadre du plan national de développement, un des piliers importants est celui de l'industrialisation et pour diversifier notre économie et que nous ne puissions pas seulement dépendre du pétrole. Et cette industrialisation, oui, même en s'appuyant sur le pétrole, peut être diversifiée par des activités de ce genre. Et on n'a pas besoin forcément de grandes entreprises. Les petites et moyennes entreprises, les petites et moyennes industries participent à l'industrialisation qui est le deuxième pilier du plan national de développement et participent à la création des emplois. Je suis donc très heureux d'avoir fait cette visite qui nous a permis justement de voir comment ce que nous venons de ramasser peut être utilisé. En quoi faisons ? En faisant en sorte que déjà les parents sachent faire le tri. Puisque nous sommes obligés d'utiliser des produits qui nous arrivent dans des récipients en plastique, plutôt que de jeter le plastique dans la nature et détruire notre sol, ayons l'habitude de les avoir dans un sac poubelle à côté, pour ne pas les mélanger avec les déchets organiques, les mettre là dans un sachet, et lorsque aussi on a vu les mamans qui font ce travail et qui vivent de ça, qui sont recrutées, utilisées par notre société ici pour faire le tri. C'est une activité qui peut permettre effectivement à un citoyen de se prendre en charge et s'est transformé pour que ça nous produise des gains électriques. Vous voyez, je disais que c'est une économie circulaire, une économie vertueuse qui intègre beaucoup de paramètres. Voilà encore quelque chose qui va nous permettre de réduire nos importations. Habituellement, nous recevons ces gaines électriques de l'étranger. Maintenant, on peut les fabriquer sur place. Ça crée des emplois. Et je voudrais féliciter les promoteurs de cette unité, comme bien d'autres, effectivement, qui œuvrent, chacun dans le secteur qui est le sien, à créer des emplois pour les jeunes, à former les jeunes. J'ai vu des jeunes ici qui ont tout appris ici ou encore qui ont commencé l'apprentissage dans un petit atelier de soudure du quartier et qui sont venus par faire ça ici. Vous pouvez donc comprendre que lorsque nous parlons de l'année de la jeunesse, lorsque nous parlons de la création des emplois, lorsque nous parlons de la promotion de l'industrie,
lorsque nous parlons de l'environnement qui crée des emplois aussi, voilà, des emplois verts, les emplois verts, nous les aurons. Il suffit pour nous de respecter les quelques règles de vie qui nous sont suggérées, pour ne pas dire qui nous sont imposées. Vous voyez que dans ces règles de vie, le respect de ces règles de vie peut conduire à l'amélioration de notre vie au quotidien.